les yeux et Malbec. S'il vous plaît, le maximum de bruit pour Dazer, Casper et Goofy. Goofy, well done. Je suis fucking famous. Ok? Parmi, c'est moi qui vous connaissait déjà. Bon, toi, je suis fucking famous. Puis ça me fait chier d'être famous. Tu sais pourquoi ça me fait chier? Parce que partout ce que je vois, on me reconnaît. Partout, partout, tout le temps. Même en voyage. Dernièrement, je suis à Cuba dans un restaurant cubain et le chef cuisinier tient absolument à ce que je paye pas la facture. Jusqu'à temps qu'il apprenne que j'étais pas divin comme lisse. En venant de ce même voyage, je vais arriver aux douanes, le douanier me dit « enlève ta casquette ». Fait que j'enlève ma casquette pour pas me faire tirer. Il fait « ah ben comment est-ce? Est-ce que je n'ai rien voir ça? C'est Stevie Wonder, t'as parlé? » C'est pas ça, parce que d'habitude, ça, je suis habitué que ça arrive en avant, mais pas en arrière. En parlant de voyage, je suis allé faire un show à Terrebonne dernièrement. Asti, c'est loin. C'est tellement loin, il y avait des cabanes à sucre. J'étais à une de ces cabanes à sucre à Terrebonne. Elle s'appelait Au Gascon. Tu connais? Tu connais Au Gascon? Non, non, c'est pas un bar de danseuse. Mais c'est marqué devant « Entrez vous sucrer le bec ». Viens mettre du sucre sur mon bonbon. Cabane à sucre. Moi, j'aime ça la cabane à sucre parce que c'est un lieu de rassemblement familial où les blancs échangent le sirop d'érable, la nourriture, l'alcool et leurs cousines. Right? Alors, puisque nous partageons nous aussi ce soir cette belle culture québécoise, hein, je propose que ce soir on partage ensemble la nourriture, l'alcool et la cousine de Abba. T'es là? Hein, comment ça va? Elle est là? Es-tu là? Je suis là. Ah, ok. But don't worry, you can't see her. She was here, Stevie Wonder. Until she starts singing those high notes. Okay. Je me suis fait arrêter, dernièrement à Laval. Est-ce que les gens de Laval ici ce soir? Ok. Je me suis fait arrêter dernièrement à Laval. J'étais simplement à côté sur une auto. Le policier vient me voir et puis il me dit ouais, c'est à toi cette auto-là. Je fais ben, c'est comme tes enfants, on n'est pas sûr. Ah ouais, t'es pas un petit comique, toi t'as des jokes. Ah ouais, mon petit collègue, c'est pas à toi cette auto-là. Ça doit être avec ta famille, ton frère. C'est comme ta femme. Elle est à tout le monde, la famille. Puis après, j'ai dit, get mom. Et ça, j'ai dit, ben, prends un moment, prends un moment. Faut que je me suis arrêté. Il y a un gros combat maintenant, les végétariens contre les carnivores. Je ne sais pas si tu vois ça partout, on en parle partout. Moi, je propose qu'on fasse un combat de boxe. On règle ça avec un combat de boxe, ok? Et c'est moi qui animerais, j'aimerais tellement ça. Dans le coin rouge, représentant les carnivores, j'ai nommé Jean-Pascal. Ouais. Dans le coin vert, le coin des légumes, j'ai nommé... Adonis Stevenson! Écoute, en attendant que Mike Ward se fasse condamner là, pour les jokes, on va les sortir maintenant parce que bientôt on n'aura pas le droit. Par applaudissement, qui s'est déjà pris un bâton dans les mains de ses parents? Qui s'est déjà fait? Qui n'a jamais pris de bâton ici? Jamais? À qui c'est jamais arrivé de se prendre du bâton ici? Par applaudissement? Vous n'avez pas pris par les parents, ok? Tous les blancs, regarde. Hein? Ils sont tous gris, tout neuf, regardez. Nous, les essais, tu sais, hein, ça peut être souliers de téléphone, ça peut être ceinture, ça peut être n'importe quoi. Hein? Et quand ils ont un petit peu de budget, ils faisaient venir d'Haïti une ligoise. Hein? Hein? Tu sais, hein?
là, une riboise, c'est un fouet à cheval. Pour les Haïtiens, une riboise, c'est un outil pédagogique. Et il mettait ça bien en évidence dans le salon pour que tous les enfants sachent à quoi ils s'exposent. Hein, même les enfants en visite pouvaient prendre. Même les enfants blancs en visite pouvaient prendre. Je me rappelle encore là, le petit Matisse, il a eu la bonne idée d'aller shooter un ballon dans le vaisselier de ma mère qui contenait les petits bibelots, là, tu sais, les petits bibelots, là, les petits français, là. Hein, tu te rappelles? Il a pété trois. On a entendu un silence dans la maison. Tout ce qu'on a entendu, c'est un sifflet, là. Après silence, pendant trois secondes. Puis après, on a entendu. C'est comme si son petit corps blanc était en train d'assimiler la douleur. Puis après, on a entendu un. C'est tout pour moi, merci. Great. Ça donne dans son oeil.